Here are the main messages, and in the next slides I'm going just to confirm what I've said here. Right ventricular failure is really frequent, rarely isolated, and there are often biventricular dysfunction. And maybe the next part of the slide is so important. The only thing to remember as a cardiologist and as intensivist is we should avoid any excess fluid in right ventricular failure. This is a major problem because in many textbooks, until today, it's written acute myocardial infarction, you should to give volume loading. This is a big mistake, and you kill your patient by giving excess fluids, and I will show you data in a minute. What is the role of the right ventricle? We heard already many things, but the right ventricle function is to keep right atrial pressure as low as possible to optimize the venous return. J'avais dit que je ferais en français, là je suis en anglais en fait. Le ventricule gauche, en revanche, il est là pour générer de la pression. Donc vous voyez que le ventricule droit, lui, c'est le débit, il va aspirer le sang de la périphérie, alors que le ventricule gauche, il va générer de la pression. Donc le ventricule droit, il va générer du débit. Et comment il va générer du débit? Parce qu'on a une chance extraordinaire, c'est que les résistances pulmonaires sont très 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 faibles, quasiment de zéro. Donc tout ce que le ventricule droit va générer comme débit va traverser le poumon sans aucune difficulté, et ça, ça va être génial. Cette diapo est un peu compliquée, mais elle est vraiment très très importante. En haut, on a le volume du ventricule. Le ventricule gauche, le sang va vers l'aorte uniquement en systole. Hein, c'est tout ce qu'on a appris. Le ventricule droit, c'est différent. Le sang coule du ventricule droit vers l'artère pulmonaire quasiment pendant tout le cycle cardiaque. Et peu de gens savent que pendant la diastole, il y a encore du sang qui coule du ventricule droit vers l'artère pulmonaire. Et ça, c'est très important à retenir. L'autre chose à retenir pour tous les jeunes, le ventricule gauche, sa perfusion coronaire, comme vous pouvez le voir sur la droite, c'est uniquement la diastole, alors que le ventricule droit, c'est pendant la systole et la diastole. En revanche, chez les malades qui ont une hypertension artérielle pulmonaire en haut, vous voyez que le ventricule droit n'est perfusé que pendant la diastole. Donc si vous ne maintenez pas une pression artérielle diastonique, ce ventricule droit ne va pas fonctionner correctement. C'est ce qu'on a expliqué ici dans cet article. C'est que vous voyez que sur la gauche, le ventricule droit normal, vous voyez que la veine cavinf bouge, vous voyez que la pression auriculaire droite, elle est de 0 à 5, vous voyez qu'il y a une contractilité qui marche bien. Maintenant, allons complètement à droite, le C. Regardez le C, ben vous avez la veine cave inférieure qui est dilatée, la pression auriculaire droite qui augmente et le tapis qui est diminué. Et surtout, je vais vous parler de quelque chose qui s'appelle TR, tricuspid regurgitation, l'insuffisance tricuspide, auquel on ne fait pas assez attention. Et je vais vous montrer dans un instant comme cette insuffisance tricuspide, elle peut être très délétère. Tout à l'heure, on va parler de l'insuffisance rénale qui suit l'insuffisance ventriculaire droite et qui est beaucoup liée à l'augmentation de pression. Juste mentionner cet article-là, on va regarder en bas à droite, vous voyez right atrial pressure, pression auriculaire droite sur créatinine. Vous voyez qu'il y a une relation directe entre la pression auriculaire droite, entre la congestion et l'altération de la fonction rénale, mais on va en entendre parler beaucoup plus. Le foie, je voudrais m'arrêter deux secondes sur le foie parce qu'on ne fait pas assez attention. C'est une des raisons de la mort des malades qui ont une insuffisance cardiaque. Cet exemple-là, c'est une personne qui arrive avec une grosse insuffisance tricuspide. Regardez ici le sang, quand vous regardez les veines sous-hépatiques, la veine cave inférieure, le sang normalement coule du foie vers la veine cave inférieure, vers l'oreillette droite. Et regardez ici la surprise, regardez ce malade-là, à cause de l'insuffisance tricuspide, À chaque systole, le sang remonte dans le foie et en fait, il bloque la circulation. Donc à chaque fois que vous avez un malade qui a une insuffisance tricuspide qui est très très importante, le sang ne circule pas dans le foie pendant toute la systole et ça donne des grosses catastrophes. Comment on va gérer ces malades? Pour les jeunes résidents, les fellows, je vous conseille d'aller sur cet article parce qu'on a mis 12 cas cliniques d'insuffisance cardiaque droite et on a montré les échos, donc vous allez avoir des échos, des vidéos, même 3D, des insuffisances ventriculaires droite et comme ça, vous pourrez vous entraîner. Alors, l'insuffisance ventriculaire droite, parfois, elle arrive sans que vous l'attendiez. Ça, c'est un sujet de 30 ans
qui a eu un accident. Au cinquième jour, il est allé au bloc opératoire pour que le chirurgien orthopédiste traite ce patient-là. Et tout d'un coup, à peine début de l'anesthésie, tout d'un coup, ce malade fait une hypotension artérielle. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un malade qui, aux soins intensifs de cardio, en cardiologie, fait de l'hypotension artérielle, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un tout petit peu de volume loading. Vous allez donner 250 millilitres en 5 minutes tout doucement. Et là, surprise, et c'est là où il ne faut pas tomber dans le piège, la pression artérielle ne s'améliore pas. Et là, il faut se dire, ce n'est pas normal. Moi, Alexandre Mebaza, vous mettez 250 millilitres en 5 minutes, ma pression artérielle bouge et mon débit cardiaque bouge. On met de la noradrénaline et surtout, là, très vite, on fait une échocardiographie. Et qu'est-ce qu'on va voir? Pourquoi ce malade fait de l'hypotension artérielle? En fait, il avait déjà... Alors, j'espère que mes échos vont marcher. Regardez, et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut montrer à vos étudiants en médecine. C'est très, très simple. Regardez en haut à gauche, vous voyez que le ventricule droit est beaucoup plus large que le ventricule gauche. Ça y est, il n'y a rien besoin de faire de plus. Là, en urgence, on voit qu'il y a un problème. Et regardez, c'est ce que je vous montrais au milieu. En plus, il y a l'apparition d'une insuffisance tricuspide qui, comme j'espère vous avoir convaincu tout à l'heure, est très délétère pour le foie et pour le rein. On emmène vite le malade au CT scan. Évidemment, il avait plein d'embolies pulmonaires qu'il avait développées au cours des 5 derniers jours. Et je voudrais vous signaler que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut beaucoup utiliser. C'est qu'aujourd'hui, le scanner thoracique permet déjà de voir, regardez le ventricule droit, qui est beaucoup plus large que le ventricule gauche. Donc vous voyez, le malade arrive, il va au scan. N'hésitez pas à regarder ces images-là. Et du coup, ça va vous pousser à faire une échocardiographie. Alors après, ça devient beaucoup plus simple. On a cherché la cause. Regardez, on appuie. Vous voyez que là, à gauche, la veine fémorale, elle est compressible. Donc pas de problème. En revanche, regardez de l'autre côté, regardez au milieu. Ben, la veine n'est pas compressible. Vous voyez qu'elle reste toujours la même taille. Donc il y a bien, effectivement, un thrombus. Donc le message très important, et je vous invite à lire cette revue générale qui est vraiment exceptionnelle parce qu'elle vous dit aujourd'hui ce qu'il faut faire quand vous avez un malade avec une insuffisance ventriculaire droite aiguë. Step 1, step 2, c'est je regarde la sévérité de l'insuffisance cardiaque droite et je détecte quelle est la cause. C'est ce qu'on a fait chez le jeune homme de 30 ans. C'est qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. L'autre point très important, regardez ici, step 3, 4 et 5, pour la première fois au monde, on a dit l'insuffisance cardiaque droite aiguë. Il faut, faire très attention au volume. Regardez, c'est marqué noir sur blanc. Faire très, très attention à ne pas donner de volume, à minimiser les volumes et surtout pas remplir ce malade-là. Et pour la première fois, step 4, on a dit quand vous avez un malade ou vous suspectez l'insuffisance cardiaque droite, ne pas mettre de volume, mais mettre immédiatement de la noradrénaline. Et en fait, les malades ont très peu besoin d'inotropes, ils ont beaucoup besoin de noradrénaline. Pourquoi? Ici, vous avez en haut un foie, par exemple, la boîte grise qui est perfusée, c'est le gradient entre l'artère et la veine. Quand un malade a une embolie pulmonaire, la pression veineuse augmente et donc du coup, le gradient est diminué. Et le seul moyen d'y arriver pour maintenir la pression, c'est de monter très très vite la noradré pour récupérer une pression artérielle et reperfuser ce malheureux foie. Alors, les insuffisances cardiaque droite, il y en a beaucoup. Ça, c'est un malade qui est venu avec une grosse hypotension artérielle, un camionneur qui arrive aux urgences. On nous appelle, on met l'appareil ICO et là, le diagnostic est clair. Regardez ces veines sous-hépatiques, comme elles sont hyper dilatées. En fait, c'était une péricardite constrictive. Vous voyez ce ventricule droit et surtout ce septum qui ne bouge quasiment plus. Donc là aussi, il ne faut pas remplir ce malade-là, il ne faut pas lui donner du volume. Et en cas d'hypotension artérielle, il faut donner de la noradrénaline. Donc vraiment, c'est un message à retenir, c'est qu'il ne faut pas donner d'excès de fluide, même pas donner de fluide du tout. Quand nos infarctus du myocarde droit prédominant viennent dans nos soins intensifs de cardio, on arrête toutes les perfusions et il n'y a quasiment plus que des seringues électriques. Un peu de noradré s'il faut pour maintenir la pression artérielle le temps que tout passe. Donc voilà les messages principaux. L'insuffisance ventriculaire droite est rarement isolée, c'est du biventriculaire. Je vous en supplie, retenez le message. Quand vous avez un infarctus du ventricule droit, ne pas donner de fluide, au contraire, juste des seringues électriques, pas de perfusion, et donner de la noradrénaline le plus tôt possible si le malade en a besoin. Voilà, merci beaucoup.